Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette édition régionale de l'ORTC Antenne de Mouili. À la une de cette actualité, une jeune chinoise résidant en Mouili a pris l'initiative de dispenser des cours de la langue chinoise à Fomboni. Une façon d'aider toute personne intéressée à apprendre cette langue parlée dans le monde entier. Nous y reviendrons dans quelques instants. Malgré la volonté du comité de gestion de déchets à Nimachua dans la région de Mledjélé, leurs activités battent de l'aile. Bienvenue dans ce journal. Des cours de la langue chinoise sont dispensés à Fomboni. L'objectif est d'aider toute personne intéressée, en particulier les jeunes moyens, à comprendre et parler couramment le chinois. Un atout majeur pour les étudiants qui envisagent de faire leurs études en Chine, mais également les commerçants de la place. Halda Hamidi et Chen Mohamed Elamine. Dispenser des cours de la langue chinoise dans l'île de Mouili, c'est une initiative de Lou, une jeune femme chinoise âgée de 25 ans. Une manière d'aider les jeunes mouhiliens à comprendre la langue chinoise dans la mesure où beaucoup de personnes ignorent même les lettres alphabétiques de cette langue. Pourtant, cette dernière est parlée dans le monde entier. Il n'y avait jamais eu de cours chinois ici. Alors, c'est une belle occasion pour eux, pour leur faire savoir qu'on a cours. On a cours chinois ici et puis c'est une belle occasion pour leur faire savoir la culture de chinoise, alors la langue chinoise. On en a discuté avec ça, alors je pense que de temps en temps on voit des professeurs qui vont venir ici alors pour enseigner le cours, mais le fait qu'on n'a pas assez de profs ici, alors parce que la plupart de notre travail c'est en Gazija. Alors je pense que si pendant les vacances il y aura des profs qui vont venir. La langue chinoise, pour ces jeunes bénéficiaires, c'est un avantage pour eux de pouvoir s'exprimer avec des Chinois, que ce soit ici aux Comores ou ailleurs. Oui, ces cours sont très importants pour nous parce qu'on peut communiquer avec les Chinois. Si par exemple on part en voyage, on va en Chine, on peut bien communiquer, on n'aura pas de problème de communication. Bon, je vois que ces cours sont très importants pour nous et j'aimerais que ce cours-là continue mais que ça ne se finisse pas. La langue chinoise semble complexe pour certaines, mais cette dernière est indispensable pour les élèves qui envisagent faire leurs études en Chine, mais également pour les commerçants. À savoir, la langue la plus parlée au monde demeure l'anglais ainsi que le chinois. Dans le même ordre d'idées, les préinscriptions à l'Université des Comores pour l'année 2022-2023 sont ouvertes ce lundi 5 septembre 2022 dans les différents sites universitaires. Ici à Mouili, c'est dans le centre universitaire de Fomboni que les étudiants doivent se présenter pour procéder à leur inscription. Le directeur du centre universitaire de la place, Ali Mohamed Mbaye, demande aux étudiants de se présenter avant la date limite. Ce dernier n'a pas manqué de rappeler le rôle important des parents face au choix de leurs enfants. Écoutons-le. Les étudiants qui souhaitent faire des formations qui n'existent pas à Mouili ne sont pas obligés d'aller à la Grande Comore ou en juin pour faire leur inscription. Tout peut se faire ici sur place et après, il appartiendra, il va incomber à l'administration de transférer les dossiers en juin ou à la Grande Comore selon le choix de l'étudiant. Par ailleurs, une autre information importante, c'est que ceux qui auront choisi des formations qui n'existent, formations professionnalisantes qui n'existent pas au centre universitaire de Mouili, il est possible de passer le concours ici à Mouili ou en juin ou à la Grande Comore. Et après, on envoie les copies à Moroni pour les formations qui n'existent pas, bien sûr, à Mouili. On envoie les copies à Moroni. Ces copies seront corrigées et après délibération, le candidat peut partir en juin ou à Moroni selon
le choix du site de formation qu'il avait fait. Maintenant, il appartient aux parents et aux candidats de faire leur choix, leur permettant de mieux s'insérer dans le monde professionnel. Une cérémonie de remise d'attestation de mérite aux bacheliers de cette session 2021-2022 s'est tenue ce dimanche dans la place publique de Mbatsé dans la commune de Mwambassa. L'événement est honoré par la présence de plusieurs personnalités de la dite localité, mais particulièrement des parents des bacheliers, Zaria Madi Kassim et Bakar Kassim. Les bacheliers de Mbatsé sont honorés par l'Association de développement de cette localité pour l'obtention du baccalauréat. Plusieurs allocutions sont prononcées, parmi lesquelles celle de l'ancienne ministre Siti Kassim, qui a salué le travail exemplaire accompli par les bacheliers de cette année. Cette dernière n'a pas manqué de rappeler avec insistance que l'espoir de cette localité, et celle de Mwaili en particulier, repose sur eux. Ces bacheliers sont au nombre de 32 cette année, dont une fille qui a une mention bien. Ces derniers se sont vus remettre leurs attestations de mérite en guise d'encouragement. On veut montrer à tous les étudiants et les étudiantes dans cette ville qu'on peut réussir à tous les domaines. J'ai une grande joie en fait, parce que j'ai jamais eu l'occasion. J'ai eu une sixième, j'ai trouvé le BBC et on n'avait jamais fait ça. Et c'est la première année que je suis arrivé à cette stade, donc là c'est une grande joie. Une cérémonie telle que celle-ci n'est pas la première. Elle vise à encourager les bacheliers à s'investir dans leurs études universitaires et encourager les futurs bacheliers. À noter que 60 élèves ont obtenu l'examen d'entrée en sixième et 37 cellules du brevet d'études du premier cycle. Dans ce village, une grande satisfaction pour les parents ainsi que leurs enseignants. Autre volet de cette édition, les activités de l'association en charge du ramassage des déchets dans la ville de Nimachua, dans la région de Mledjélé, bas de l'aile. Conséquence, des déchets jonchent dans les différents coins de la ville touristique. Alda Hamidi et Mounibou Amir. S'assurer que la ville de Nimachua reste propre, c'est la mission que s'est fixée le comité de développement de Nimachua, un comité qui veille sur la gestion des déchets, mais surtout du ramassage. Mais suite à la pénurie du carburant, qui ne cesse de secouer l'île de Mwaili, cela freine le ramassage des déchets qui nécessite un moyen de déplacement. Une situation qui touche l'ensemble de Mwailiens par manque de carburant et un site de décharge pour les autres localités. Dans cette période de pénurie de carburant, le travail se marche mais difficilement. On crève vraiment pour pouvoir ramasser les déchets. Ce n'est pas facile à cause de manque de carburant. Et cette tâche, ce n'est pas facile. Ce n'est pas à CDN seulement, mais à la mairie qui nous épauler, nous aider, surtout du côté de trouver le carburant, les agents aussi du côté de paiement, parce que justement, ce n'est pas facile. Le recouvrement ici, pour recouvrer les écotaxes, il faut que le ramasse des déchets soit quotidien, continu. Mais s'il y a une petite rupture, il y a déjà les habitants qui commencent à crier. Les déchets sont ici et vous venez de nous dire de payer. Ça, ce n'est pas facile. Donc ça demande l'aide de tout le monde. Certes, le comité de développement de Nimachua travaille en commun accord avec l'ONG Demain et de quelques personnes de bonne foi, mais toutefois la gestion des déchets demeure un sujet complexe. Quant à la localité du Wala, la gestion des déchets reste un combat quotidien. Un travail effectué grâce aux efforts des habitants de la dite localité ainsi que les différentes associations de la place. Une façon de lutter contre l'éparpillement des déchets dans leur localité. Soranti Bouramadi et Tchane Mohamed Elamine. Ces habitants de la localité de Walan, commun accord avec les associations villageoises, ont mis en place ce système de ramassage de déchets dans leur village. À l'aide d'une motobenne, le ramassage des déchets s'effectue quotidiennement dans la matinée. Ces derniers sont ensuite acheminés dans sept sites de décharge octroyés par les villageois.
Certes, des fois, leurs activités battent de l'aile en période de pénurie de carburant néanmoins. Ces derniers ne lâchent pas prise. La question de gestion des déchets ici à Mouhéli nécessite l'implication des autorités afin que l'île de Mouhéli garde son statut d'île touristique. Pour y parvenir, les sites de décharge des déchets ainsi que des transformations doivent être octroyés par la sécurité sanitaire des Mouhéliens en général. Et pour finir avec le changement climatique qui s'est vu dans le pays, les poissons frais se font rares au marché de la capitale, au même titre que dans les poissonneries. Le peu qu'on en trouve sont vendus à un prix exorbitant. Une situation qui ne facilite pas le quotidien de Mouhéliens, particulièrement les pêcheurs, étant donné que la pêche demeure leur source de revenus. Présentement à Mouhéli, les activités des pêcheurs sont restées en stand-by. Au marché de la capitale, les images parlent d'elles-mêmes. Même son de cloche dans les différentes poissonneries de l'île de Mouhéli, aucun produit halieutique ne s'y trouve. Victime du changement climatique, particulièrement du vent violent qui a secoué l'ensemble des îles Comores ces derniers jours. C'est l'un des vendeurs des produits halieutiques de ce marché. La hausse des prix des poissons est justifiée. Depuis la fixation des prix des produits pétroliers, la population dans son ensemble vit les retombées de cette décision des autorités compétentes. Face à cette cherté de la vie qui se vit dans le pays, certaines personnes ne peuvent qu'y croiser les bras, particulièrement les pêcheurs qui n'ont aucune autre source de revenus. Mesdames et messieurs, avant de boucler cette actualité, dit l'orthésien Antoine de Mouhéli le rappel des titres. Une jeune Chinoise résidant à Mouhéli a pris l'initiative de dispenser des cours de la langue chinoise à Mouhéli. Une façon d'aider toute personne intéressée à apprendre cette langue parlée dans le monde entier. Malgré la volonté du comité de gestion des déchets à Nimashiwa dans la région de Mouhéli, leurs activités battent de l'aile. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suivi de programme sur votre chaîne nationale. À très bientôt.